1930, un autre temps où les quincailleries ressemblent à de joyeux bazars où l'on trouve tout ce dont on a besoin. Georges Pesson et Paul Gérard créent alors la quincaillerie Gérard et Pesson. Leurs descendants prendront la suite en 1965 pour faire évoluer l'entreprise devenue familiale. Jean-Yves et Daniel Gérard gèrent aujourd'hui une centaine de collaborateurs. Ici, on trouve toujours de tout, mais la quincaillerie s'est professionnalisée. C'est à partir de cette date que notre vocation est devenue carrément artisanale, premièrement, et quasiment professionnelle sur l'ensemble de nos activités. Aujourd'hui, une quincaillerie comme la nôtre, c'est un recueil de plusieurs compétences de métier qui représentent nos clients professionnels d'une manière générale. Donc ces clients-là agissent dans le bâtiment, agissent dans la charpente, dans la métallerie, dans l'aluminium. Et sont devenus, pour nous, essentiels. Le plus de l'entreprise, s'entourer de spécialistes représentant l'ensemble de ces corps de métier qui constituent la clientèle. Formés par les fournisseurs, ils apportent toutes les réponses que le client peut se poser. Aujourd'hui, Gérard et Pesson continuent d'évoluer à travers d'autres services. Notre travail, c'est de faire réussir nos clients, de faire réussir les artisans et de faire réussir les industriels. Et on arrive à ce résultat grâce à divers moyens qu'on a développés en interne, comme un catalogue, comme des compétences, un savoir-faire, comme le site internet. Concrètement, suivons la chaîne de commande depuis la prise de commande du client jusqu'à l'expédition du produit. Tout commence par un appel à l'un des 10 commerciaux de l'assistance téléphonique. Bonjour Marie, Gérard Pesson. Vous allez bien ? Bon, parfait. Le premier contact du client avec Gérard Pesson. Donc nous avons d'une part donc les commerciaux itinérants et ensuite nous avons les assistants téléphoniques. Et donc ces assistants téléphoniques sont en relation permanente avec nos commerciaux de terrain. C'est un binôme. Un binôme efficace qui permet de fidéliser les clients par des visites régulières. Certains travaillent avec Gérard Pesson depuis des années et sont ravis de cette collaboration. Je suis resté depuis 20 ans chez Gérard Pesson justement pour le sérieux de cette entreprise. Moi j'y trouve mon compte pourvu que ça dure. Mais reprenons le parcours du produit. Après la prise de commande, les commerciaux font redescendre l'information au service logistique et à l'équipe de préparateurs de commandes. C'est un élément déterminant chez nous, la logistique. Donc ça consiste à organiser tout ce qui est réception de marchandises, préparation de commandes et puis en dernier lieu l'expédition des colis sur le quart sud-est de la France essentiellement. Bonjour, je suis préparateur de commandes et je m'occupe plus particulièrement en fait des agences des Chirol, de Valence et d'Avignon. Il y a trois postes bien distincts au sein de la préparation. Vous avez les préparateurs entre guillemets itinérants qui vont aller chercher justement sur les bons de préparation la marchandise qui se trouve en rayon. Après, vous avez le poste de contrôle où vous avez en général 3-4 personnes qui vont s'assurer que la marchandise correspond bien à ce qui a été demandé sur le bon. Et après donc le troisième poste qui est le poste d'emballage et de redistribution des colis. Le suivi de commande se termine par l'expédition du produit au client. Le délai depuis la prise de commande jusqu'à sa livraison n'aura été que de 24 heures. Une progression fulgurante pour Gérard et Pesson depuis 80 ans d'existence qui a su s'adapter à l'évolution des différents corps de métier que l'entreprise fournit. Et elle compte bien ne pas en rester là. Aujourd'hui, nous travaillons sur à peu près une vingtaine de départements. L'avenir, c'est pour nous de travailler sur quasiment l'ensemble du territoire. Pour l'avenir, je souhaite que nous continuions ce qui a fait le succès de Gérard et Pesson, que nous continuions à nous moderniser et à utiliser toujours vendre les produits de pointe et utiliser les produits de pointe que nous pourrons proposer dans l'avenir à nos clients. Rapidité, réactivité, services et conseils sont les forces de Gérard et Pesson, mais pas seulement. Comme toute entreprise, la première force, c'est les salariés. C'est ce qui nous conduit à la compétence, à la connaissance. Et ça, je pense que c'est une des valeurs de l'entreprise. Les rapports entre salariés sont bons. Ça permet de passer de très très bonnes journées. En plus, le travail est très intéressant. Nous sommes une entreprise familiale. Et je pense que ça se ressent et que tout le monde se sent bien ici.